Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Hearthstone. Et donc on va utiliser un nouveau deck dans cette vidéo. Comme j'en avais parlé déjà dans les précédentes vidéos, c'était de tester tous les decks un par un et de faire du jeu avec d'autres decks. Donc on va aller dans partie et puis on va aller sélectionner un deck. Allez, le deck prêtre de base. Et puis c'est parti, on va commencer les combats. Alors je vais comme ça, je vais pouvoir vous expliquer. En quoi consiste le pouvoir du deck de base, du deck de prêtre. Anduin contre Garrosh. La victoire ou la mort. La lumière nous apportera la victoire. Alors, j'ai quand même utilisé des cartes qui étaient spécifiques, mais j'ai aussi renforcé mon deck. Bon, je vais enlever ça. Les cartes à gros coups. J'espère en avoir à faible coup pour pouvoir jouer dès le départ. Incarnation, bon, c'est pas terrible. Le tirage est pas terrible. On va voir comment ça se passe. Là, j'attends que mon adversaire y joue. Ah, lui aussi, il a peut-être un peu de difficulté à choisir ses cartes de démarrage. Alors, l'effet du prêtre, le pouvoir qui coûte 2 de cristal et 2 de mana, et en fait, il permet de récupérer 2 points de vie. Sur des serviteurs. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment un super pouvoir. Que vous pouvez taper un adversaire, perdre des points de vie et récupérer toute façon là. Donc, c'est pour ça que j'aime bien avoir des cartes sur le bouclier. Des choses comme ça, en fait. Par exemple, cette carte, elle a 5 de mana, mais quand je la pose, elle a 2 d'attaque, 7 de vie. Et chaque fois qu'il subit des dégâts, il gagne 3 d'attaque. Donc, si j'attaque une créature qui me fait perdre 2 points de vie, je tombe à 5 points de vie, mais je gagne après 3 points de. Attaque et après je peux lui redonner un pouvoir de points de vie en plus. Dans la limite de 7. Précision. J'espère que l'adversaire ne fait pas être parti parce que j'ai l'impression qu'il joue pas. Donc non, moi je peux pas jouer à ce tour-là. Ouais. Je dois faire un choix. C'est dommage. J'ai l'impression que l'adversaire il est pas présent dans le jeu. Ah si, il a joué. Ah, il joue au dernier moment, il fait perdre le maximum de temps, et puis quand il a joué, il valide pas. Alors, je peux toujours pas jouer, on va garder le petit jeton. On va rien utiliser mon pouvoir parce que de toute façon, je suis au nombre de à vie maximum. Je sais pas si c'est une stratégie de sa part de faire perdre le maximum de temps. Je vois pas l'intérêt.
payer. On va pas jouer. Alors, je pense qu'il y a certains joueurs qui ont de la stratégie, c'est de faire pas de temps pour que l'adversaire il abandonne, parce qu'il en a marre d'attendre. C'est dommage parce que là je vais faire une vidéo pour montrer comment on peut jouer avec ce deck et puis tomber sur un adversaire comme ça, c'est vraiment pas intéressant. C'est pas très fair play, voilà. Ça va être intéressant, je vais mettre ça. Avez-vous besoin d'une bénédiction? En fait, le pouvoir de cette carte, elle est pas mal parce que ça permet, avec mon pouvoir, de faire gagner 2 points de vie en plus des points de vie prévus à un serviteur. Donc c'est vraiment intéressant. D'habitude, je peux guérir, mais il faut que mes serviteurs ils soient blessés. Avec cette carte, ils peuvent aller au-delà. Donc là, mon prêtre, ma jeune prêtresse qui avait 2 d'attaque et 1 de vie, à la base, j'ai pu lui faire arriver à 3 de vie. Et ainsi de suite. Et en l'occurrence, cette carte-là, je vais pouvoir aller au-delà des 7 points de vie. Je vais peut-être la jouer plus tard. Je vais peut-être jouer celle-là qui donne 3 points de vie en plus. Puis alors celle-là qui a provocation, elle est encore plus forte, c'est quand même intéressant. Je dois faire un choix. Celui qui joue pas, celle-là, c'est celle-là. Là, je vais donner 2 points. Et en fait, là, ma jeune prêtresse, à la fin de chaque tour, elle donne 1 point de vie en plus à un autre personnage, à un autre serviteur allié aléatoire. Alors, il fait peut-être ça aussi parce qu'il a, je sais pas, en 7 de mana, une carte qui permet de détruire tout le monde. Après, moi j'en ai encore pas mal dans mon jeu, je pense que d'ici là je vais peut-être pouvoir lui faire perdre pas mal. Parce que là, à ce tour-là, je ne sais pas, mais je lui fais perdre des points de vie. En plus, je vais mettre un pied. Je dois faire un choix. Très long. Ça va, il est aussi gros que ça. Un peu d'entraînement. Voilà.
définit sa stratégie. Alors, chaque qu'il y a des cartes, à partir de 7 ou de 8 de mana, peuvent détruire toutes les créatures adverses, tous les serviteurs adverses. Ah, moi, pour moi, vu qu'il est plus de 24 points de vie, là, voilà, je pense qu'il va ramasser. Je pense que je vais mettre ça, je vais utiliser mon pouvoir. Je vois pas du tout l'intérêt de faire ce qu'il fait. Ça. Je briserai votre un peu d'infini. Pas besoin de s'en faire. Le château, il a perdu. Je dois faire un choix. Ah, ça y est, c'est pas trop tôt. Bon, allez, je vais l'achever. Passe à un autre adversaire. Intéressant. Je sais que toi, ça peut te faire. Après, sa stratégie, ça fait perdre du temps, ça fait gagner beaucoup d'expérience. J'ai l'impression que l'expérience, plus le combat dure longtemps en termes de temps, plus l'expérience. J'ai eu 100 d'expérience. Peut-être que c'est une stratégie aussi de sa part, pour avoir l'expérience, peu importe la défaite et la victoire, il s'en fout. Ça se joue autant. Plus un combat dure longtemps et plus donc on récupère de points qui permettent d'augmenter l'expérience générale du personnage. Anduin contre Tyrande. Que l'une me donne sa force. La lumière nous apportera la victoire. Là j'ai des bonnes cartes mais qui coûtent cher. Hein. Celle-là elle est super, elle donne 1 d'attaque et 2 de vie en plus et elle crée une copie d'un seul. C'est pas mal. Bon, par contre, je vais peut-être pas assez orienter mon deck avec des petites cartes parce que je me vois que je peux pas vous jouer beaucoup de cartes au début. S'il m'attaque. C'est compliqué là. Donc au départ, il mettra pas un serviteur avec une attaque. Voilà, c'est le genre de serviteur. Oh, corruption. Je peux le mettre. Ah non, j'ai joué trop vite. Il a 3 d'attaque. C'est l'histoire d'un orque qui rentre dans une auberge.
Alors, chaque fois que... Voilà, ça c'est pas mal quoi. Vous n'avez Ouais, aucun tant pis qu'il me style. dit pas Heureusement que je suis là. En fait, chaque fois que je pioche une carte, ça la transforme en serviteur en légendaire aléatoire. Ah ok, bon d'accord. Tour 4 et je peux pas jouer. Tour 5, je peux détruire un serviteur. Ok, j'ai pas mal de détruire un serviteur qu'on joue. Ok, ça c'est pas mal. Je vais détruire son serviteur 4-5. On va pas prendre de risques. Je joue toutes les cartes que votre adversaire a jouées pour le tour précédent. Elle est pas mal celle-là. Oh, je peux remettre ça, c'est bien ça. Ça va, il est pas si gros que ça. Ça va, il est terminé. Si je joue pas le prochain coup, je peux mettre ça et invoquer la copie. Et en plus, incarnation. Ah, c'est un délégal. Je sais pas, danse, petit pantin, danse. Ah, ça c'est une carte exceptionnelle. Après, il faut avoir la combinaison. Un problème. Ah, ça va être compliqué. Place aux ailes de la destruction. Ouais, il faut que je fasse un ménage, mais c'est pas possible. Un jour, là, là. Ouais. Bien joué. Ah,
Moi j'ai la tour l'avance mais j'ai pas pu jouer, je me suis dit, cette case j'aurais aimé la jouer et le bloquer mais j'ai pas pu. La tour est en avance sur moi. Ferme votre camp. C'est bon, t'as gagné. Vraiment pénible. Là, la tour ça va vraiment très fort, 4 points. Surtout il a une combinaison au départ. C'est vraiment improbable, c'est-à-dire qu'il a combiné, il avait récupéré avec Salve ma créature qui avait 2 d'attaque ou moins, mais en transformant les PV en rajoutant un PV, donc il fallait qu'il ait une carte qui me transforme 3 créatures en un PV, et en plus qu'il ait aussi la carte, l'autre qui me permet avec 4 de mana de récupérer une créature, et de faire Salve en même temps. Je dois protéger. Donc, il faut vraiment tirer les cartes au moment, sachant qu'il n'en a que 2 maximum dans son deck. Favoriser le jeu parce que ça c'est pas bon du but. Ah, j'ai pas joué. Cette carte elle est pas mal parce qu'à la fin d'un tour elle peut donner. C'est très sympa. Vraiment l'adversaire, surtout que moi j'ai des sorts, j'ai des pouvoirs qui me permettent de récupérer des points. Ah bah là ça devient intéressant. Ok. Alors là ça devient. Travail terminé. Avec mon pouvoir, je peux récupérer des points de vie. Je peux faire un sur 4. Donc, je peux voir. Nous devons faire cesser cette corruption. Comme ça. Pourquoi j'ai utilisé ça souvent. Il a pas mal. Ok, ben soit j'invoque une copie 1-2 comme ça c'est pas mal. Et j'ai pas assez, soit je. Voilà. Là, il a attaqué, et c'est le terrain. Réincarnation et Ral d'Agonie. Elle est super cette carte. Tour 6, je peux mettre ça. Bonjour, j'ai la con. Ah bah oui, il va me le dire, je peux pas. Sauf que là, j'ai compris l'avantage du terrain. Ça, c'est pas mal, c'est là. Alors, si je mets ça. Ça c'est pas mal. Et en plus je détruis un serviteur adverse, attention. Donc s'il pose un serviteur, je vais pouvoir le détruire.
là. Non. Votre pitoyable magie amuse. Bon, eh ben, c'est bien compliqué. Alors, on va faire ça. Nombreux sont les murmures. On va le détruire lui. Là, donne 2, 6, un serviteur, ça c'est top. Après, faut que je joue celle-là. Un 2, un serviteur, on en veut qu'une copie, et puis avec. Oh là là, qu'est-ce qu'il me met? Il y a quand même des cartes de fou, hein. Il va falloir que. Ouf. 15 points de vie, qu'est-ce que c'est que ça? Allez, on va s'amuser un petit peu, on va voir ce que ça donne. 16 points de vie, j'ai fait mieux que toi. Rejoignez le néant. Spectaculaire. Par contre, ça va être compliqué là. Oh là 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 là! Compliqué là! Il y a du lot, vraiment! Bon! Faut que je me méfie donc! Laissez à votre momie encore 5 petites minutes. Déjà, on va se faire lui. Compliqué là. Très compliqué. Ouais, je crois qu'il m'a battu là. Parce que là, il va mettre le sort, je peux pas me défendre. Aïe aïe aïe. J'aurais peut-être dû détruire ces deux-là avant de détruire l'autre. Bah ouais. Oh, ces trucs de fou, il a eu un jeu de fou là. Je pouvais rien faire, j'avais pas de bouclier pour me défendre. Avec ouais, activer le sort, j'ai pas réfléchi. Après. C'est ça que tous les paramètres et les fixes pour savoir quoi jouer. Bien. C'est ça la difficulté en fait. Les 30 paramètres sont en fonction de la pensée de ce qu'il a joué pour arriver à réfléchir avec lui pour trouver la meilleure solution. J'ai pas fait le bon choix, je pense que j'ai pas fait le bon choix à l'attaque. Ça a déjà été de faire ces deux autres créatures pour lui en garder qu'une, quoi, tout simplement. Et pas deux. Ça m'aurait laissé un saut de plus, en fait. J'ai fait un peu n'importe quoi sur ce coup-là. Ok. Salutations. N'essayez pas de me cacher vos pensées.
Alors, les émissaires, ben, faut jouer, hein. Pas le choix. Allez. Vous n'avez aucun style. Heureusement bien, que je suis hein. Là. Je l'ai aussi, mais bon. Ouais, bon. C'est compliqué là. J'ai rien proposé, lui il va piocher des cartes avec serviteur légendaire à la tour à chaque fois quoi. Ça, là je peux pas jouer. Bon, super. Ça commence très mal. Hein. Trop de petites cartes. Oh purée, en plus il pioche la carte qui est... C'est pas vrai, il a de la chance. Tout sauf celle-là. Bon, en bas de vol, je suis obligé de la mettre. Oh, c'est quand même pas de chance. Eh ben ça va être compliqué là, parce que je peux pas jouer. Bloc, je peux rien faire, super. J'espère qu'il décide de... Oh, j'aimerais bien pouvoir jouer là, ça fait quand même plusieurs adversaires de suite que je rencontre et je peux pas jouer. C'est vraiment compliqué hein. Travail terminé. Ça va, il est pas si gros que ça, ça va être terminé. Ouais, compliqué. Oh là là, bon, c'est injouable, c'est pas possible. Bon, allez, j'arrête. J'arrête tout simplement le jeu. J'arrête de relancer. Bon, j'ai arrêté, je suis sorti du jeu bêtement. Je vais juste arrêter la partie. Ça a rien de jouer contre des adversaires aussi forts. Impressionnant.
Ouais, mon deck, il y a trop de grosses cartes et pas assez de petites. Donc c'est compliqué parce que je peux pas trop poser au départ. Là, je peux rien faire, c'est invraisemblable. Voilà. Ça sert à rien. On va capituler, on va essayer d'en faire un combat plus intéressant que ça, parce que là. Allez, ça va être le dernier combat de cette vidéo. J'espère pouvoir jouer un petit peu les. C'est entre le premier adversaire qui jouait pas, le deuxième qui était impressionnant, le troisième. Et quand même des cartes que j'ai pas pu contrer. Contre Garrosh. La victoire ou la mort. La lumière beaucoup nous trop de apportera cartes, mais la j'en ai victoire. pas trop, ou alors je tire vraiment pas, c'est pas incroyable, j'en ai plein pourtant. Regardez ces deux. J'en ai plein des petites pourtant. J'ai perdu autant de combats que depuis que je fais des vidéos. C'est impressionnant ça. Après là je joue avec un deck que je joue jamais avec d'habitude. Donc forcément ça doit pas aider. Il faut vraiment jouer un deck qui nous correspond et rester dessus et tout le temps jouer la même chose pour pouvoir maîtriser au maximum faut bien que quelqu'un mène la turn-off du deck. Ah, j'ai pas toute carte en toute simple. Elle a posé deux cartes au premier tour. C'est un vrai simple. Deux cartes. Il n'a pas la peine de jouer. Allez, capitule. Il n'a pas la peine. Il a un de mana, il a posé deux cartes avec trois mana. Moi, des fois, je me pose des questions. Il n'y a pas des cartes quand même. Hein. Je veux bien qu'il pose une carte, mais deux cartes qui coûtent de 1-3 de mana, de 1 de mana. Alors, deux cartes. Allez, on va rejouer. Relancer un combat. Contre Illidan. On en finisse. La lumière nous apportera la victoire. On va enlever toutes les grosses. J'espère qu'il y a au moins une petite, quoi, quand même. Ah, bah voilà. Ah, puis il n'y a que 1 à son pouvoir. Ah, bah ouais, c'est génial. Plus que 1. Par contre, tu peux voir que les personnages plus que 1. Là, moi je peux pas ouais, j'ai trop de cartes. Il faudrait que j'en rajoute 1, 2, 3 des petites créatures parce que c'est pas possible. Il y a toujours un avantage sur moi, l'adversaire. Chaque fois qu'il joue, que je joue, en fait, il a toujours déjà posé des créatures. Je peux rien faire. Je suis en retard à chaque fois. Oh bah non, on n'a pas pu jouer, c'est pas cool. Oh, on est nul. Bon, j'ai fait pareil quoi, le tour d'avant. Allez, on y retourne. C'est pas déterminé comme ça. Anduin. Contre Jaina. Vous l'avez cherché. La lumière nous apportera la victoire. Voilà. Ah.
Ah, j'ai bien envie de les garder. Chaque fois qu'un personnage se nique, une 2 va péter. Super! Au nom de la lumière! Si je mets ça, celui-là, je pense pas en arriver jusque là, mais d'accord. Affronter la lumière. C'est un tour. C'est marrant si j'avais une copie de ce truc, hein. Où dois-je frapper? Affronter la lumière. Alors. Travail terminé. C'est marrant ça. J'ai jamais eu l'occasion de jouer ces cartes-là comme ça. Alors. Je dépasse toute imagination. Succomber à la folie. Par l'adversaire. Ah, j'aurais dû attaquer avec lui. Dommage. Bon. Bon là, il va falloir être stratégique. Affrontez la lumière. Travail terminé.
fait. C'est la guerre alors, hein. C'est vraiment la guerre. Il m'a tout détruit, mes créatures, en deux coups, quoi. C'est un truc de fou. Je sais pas quoi dire, là. Vraiment... Travail terminé. Pascal 19. Ah, c'est intéressant. Ce qui vous semblait nébuleux prendra la clarté du cristal. Pas pareil que lui. Pourquoi j'en ai pioché qu'une? D'accord. Soumettez-vous, hérétique. Prévisible. Voilà. Un beau combat là. Vos désirs ne sont que des chiffres. Ah, c'est un beau combat parce que voilà. Picard, il reste plus que Picard, moi il m'en reste plus 7. Et ça se rend coup sur. Travail terminé. Wow. C'est chaud quand même, hein. C'est impressionnant. Vous échangez votre main et votre deck avec ceux de votre adversaire jusqu'au prochain tournoi. Vous n'avez aucun style. Heureusement que je suis là. Ah, ça c'est risqué par contre s'il m'a détruit pas. Là. Oh non! Oh non, c'était une super carte. Messieurs Tremble et la progéniture s'éveille. Les murmures incessants.
Quel mauvais goût. Eh ben, c'est la guerre. Super combat en tout cas entre les deux. Ça va, il est pas si gros que ça. Eh ben. Nous défendrons le temple noir. Travail terminé. Eh ben, non. Compliqué là. Terminé. La vie et l'espoir valent la peine. Mais c'est injouable. Comment il peut poser autant de trucs? Il n'y a plus de cartes. Moi j'ai pas le truc qu'il faut. Bon bah j'ai perdu. Allez, bon, c'est vraiment pas intéressant. Je peux rien faire. Pourtant il a tout pioché, il a tout ce qu'il faut, il a plus de cartes. Il a 10 cartes maintenant dans le. 9 cartes à piocher. Ah c'est moi, oui, ça a échangé. Oui d'accord. Oh, ça a échangé le deck et les cartes. Vraiment dommage. Bon. Allez, on va s'arrêter là. Ah, une nouvelle défaite. C'est dommage que je fasse des vidéos que sur des défaites. Bon, je gagne de l'expérience, je gagne de l'or, super, mais j'enchaîne les défaites et c'est vraiment pas super cool. Alors que d'habitude, c'est pas forcément le cas. Bon, les amis, je vais m'arrêter là et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.